Sois décontracté, si tu perds l'équilibre ou tu as envie de tomber, tombe, je te rattrape à la mesure du possible. Jamais personne ne s'est pas cassé une jambe. Tu n'es pas obligé de tomber. C'est pas parce que tu ne tombes pas que tu as des livres ou que tu perds l'équilibre ou tout ça, d'accord? Mais si, ça ne sert à rien de résister. D'accord. Oui, il faut que je me laisse aller. Tu te laisses aller. Donc, si tu n'as pas envie de tomber, il ne faut surtout pas tomber non plus. Mm-hmm. Voilà. Tu me dis à fur et à mesure. Donc, toi, tu ne cries pas, tu ne dis rien. Tu me dis à fur et à mesure ce que tu ressens. Donc, il faut m'interrompre. Tu me dis, ah bah tiens, là c'est ceci, là j'ai cela, que ce soit dans le corps ou dans les émotions, dans les pensées, agréable, désagréable, fort ou pas fort. Donc ne me dis pas, tiens, il y a 10 minutes, quand tu as dit ça, j'ai ressenti ça. D'accord ? Oui, je le dirai au fur et à mesure de ce que je sens. Voilà, alors et puis moi je t'écoute, et donc je prends les informations, je ne m'arrête pas forcément de prier, j'écoute, puis simplement. Des fois, peut-être je te poserai une question par rapport à ce que tu me dis, mais si je dis rien, faut pas, c'est pas que je t'écoute pas. Je prends les informations et je prie en fonction de ça. Donc tu parles pas, il faut un peu entrouvrir la bouche, parce que des fois, on a les dents serrées aussi. Et également comme ça, juste les bras le long du corps, parce que des fois, tu sais, quand on a les mains serrées ou les bras en... Comme ça, c'est comme si on se protège, tu vois, on ne se laisse pas aller, donc voilà. On se crispe. Voilà, exactement, donc là, ça... Voilà. Alors... à Dieu, tu as confessé tous tes péchés. Oui, je dis bien tous mes péchés à Dieu. Ok. Il n'y a pas de péché, tu as l'impression de dissimuler, malgré que tu sais que Dieu connaît tout, il n'y a pas des péchés que tu dissimules à Dieu. Ah oh non, je lui dis, ce que j'ai sur le cœur. D'accord. Non, je n'ai rien de... Et dissimulé. Par rapport à tes capacités ou à tes forces, à tes possibilités, tu estimes que tu obéis à Dieu, c'est-à-dire il n'y a rien en ce moment que tu serais capable de faire que tu ne fais pas. Genre, ça serait très facile d'arrêter de faire ci ou de commencer ça, mais tu ne veux pas le faire. Dans le sens qu'il y a des choses, des fois, c'est difficile, c'est, tu vois, on combat contre quelque chose, bon, mais il y a des choses, on pourrait facilement faire quelque chose et volontairement, on dit non. Ou est-ce que tu estimes que tu fais de ton mieux par rapport à ce que tu peux faire? Bah écoute, je fais bien ce que je peux faire, mais bon, je veux dire, il y a des choses que je pourrais, comme le fait de partir, de m'en aller. La dernière fois, là, quand Annick m'a dit qu'est-ce que tu fais, alors qu'est-ce que tu fais, tu viens, ça a été c'était malgré moi, quelque chose qui est sorti de ma bouche en me disant ben non, ouais, je viens pas. D'accord. Voilà, ça a été, je l'ai pas contrôlé, quoi, c'est venu comme ça. Okay. D'accord. Donc, tu peux prier à haute voix maintenant en demandant à Dieu qu'est-ce que tu lui demandes pour maintenant ces deux jours. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui? Enfin, voilà, toi, comme ça tu dis clairement devant témoin, devant moi aussi, devant Dieu, ta prière pour ces deux jours. Moi je demande à Dieu que je finisse par être complètement délivré, qui m'aide dans cette délivrance, qui m'aide à sortir de mon corps tout ce mal qui reste encore, même s'il y en a moins. Je lui demande d'enlever tout ça pour que ça puisse me libérer et que par ce biais-là, ça puisse agir aussi sur toute ma famille, les petits et les grands, parce que je sais que toute la famille a été lourdement endommagée par tout ça, par ma faute. Que je sois libérée, bien, sereine, que ce corps bloqué depuis tant d'années soit enfin libéré de ce qu'il entrave pour que je redevienne quelqu'un de normal, bien dans mon corps, bien dans ma tête aussi, parce que la tête c'est important aussi, et puis qui m'aide aussi à grandir dans cette foi, à acquérir cette foi encore plus grande pour... parce que ce chemin pour moi est dur, est difficile, et j'ai besoin de son aide pour y arriver, il faut qu'il m'aide.
Alors, je remercie aussi de t'avoir mis sur mon chemin. Ça aussi, c'est une bénédiction de t'avoir rencontré. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas complètement guérie. Je sais que mon corps est encore entravé par des choses mauvaises. Et même si on a bien avancé, mais le peu qui reste maintenant, je lui demande de faire ce qu'il faut, de m'aider à pouvoir sortir ça de mon corps pour être totalement libérée. Et voilà, pour ma famille, pour moi, pour tout ce que j'ai pu supporter pendant toutes ces années, 10 ans bientôt. Et je sais que j'ai fait beaucoup de mal, sans vouloir, bien évidemment. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu le maîtriser. Voilà, puis je demande pardon aussi à ma mère, aussi à mes parents, parce que c'est vrai que avec cette malédiction sur la famille, ma vie ne pouvait pas être ce qu'elle aurait dû être, ça j'en suis convaincue. J'en ai beaucoup voulu à mes parents, beaucoup voulu à ma mère, bien que je sais très bien qu'elle était. C'était pas de sa faute non plus. Mais aujourd'hui j'essaie de lui pardonner et de me dire que ben, je ne lui en veux pas, que. Elle aussi, ça a été une victime, tout comme Raymond d'ailleurs, c'est certainement une victime aussi. Et que voilà, je lui pardonne de là-haut, je pense qu'elle le comprendra. Mais c'est dur. C'est dur parce que je m'en suis tellement vue. J'ai tellement vu, j'ai tellement supporté de choses. J'ai toujours tout donné, j'ai toujours fait, je veux dire, j'ai toujours essayé d'être porté de bon service et tout. Et en retour de tout ça, j'ai eu le droit qu'à des coups de bâton, c'est le cas de le dire, parce que tout ça, je ne le méritais pas, je ne le méritais pas. On a tout fait pour me détruire, voilà. Alors bon, j'essaye de pardonner, mais c'est vrai que. Pardonner, c'est dur, parce que quelque part, pardonner, c'est un peu oublié. Et moi, il y a des choses qui sont dans ma mémoire et que j'oublierai jamais. Jamais. Alors aujourd'hui, je voudrais que mon corps soit délivré complètement. Complètement. Pour pouvoir apporter avec ce positif, en distribuer dans mon entourage, pour que tout le monde soit bien, parce que je voudrais que tout le monde soit bien. Le mal qu'on t'a fait, on ne peut jamais oublier quelque chose qui s'est passé. Par contre, malgré qu'on n'oublie pas, il faut pardonner parce que la seule personne à qui tu fais du mal en ne pardonnant pas, c'est à toi-même. Eh oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui, justement, malgré l'envie, tu n'arrives pas à pardonner, mais il faut absolument... même s'ils ne le méritent pas, parce que tu leur fais pas du mal à eux, tu te fais du mal à toi. Et il faut comprendre que Dieu est un Dieu juste et chacun recevra ce qu'il mérite, en bien ou en mal. Donc ne te venge pas toi-même en leur en voulant, parce que eux, ça ne leur change rien du tout dans leur vie. Par contre, dans ta vie, ça change, ça te fait du mal. Donc tu leur rends plutôt service. En leur en voulant, parce que tu perpétues le mal qu'ils t'ont fait. Donc, il faut. C'est quelque chose de pas facile, surtout si tu n'as pas l'habitude, mais il faut rentrer dans ce non-pardon et dire, quand ça revient, et dire, mais pourquoi je me souviens ce qu'ils m'ont fait, et dire, bon, ben, je veux arrêter d'y penser, je veux arrêter de leur en vouloir. Hein? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se résorber dans ta vie si tu fais ça. C'est dur, surtout si tu as eu l'habitude, et pendant très longtemps, d'en vouloir à quelqu'un. Si tu en veux à quelqu'un depuis 50 ans, c'est pas en 3 minutes que tu vas arrêter d'avoir cette... Ma mère, ça fait 19 ans que je sais qu'il existe cette malédiction sur la famille. Maintenant, je comprends beaucoup de choses, parce que je sais la vie que j'ai eue, je sais ce que la famille a vécu, et je me dis, maintenant je comprends pourquoi ça a été comme ça. C'est la faute de ta mère ? C'est pas la faute de ma
ma mère, c'est la faute à la base de mon père, en fait, enfin mon père, qui n'était pas mon père, qui n'était pas mon père biologique. Ton beau-père. Oui, parce que ma mère, elle m'a eu. Tu en veux à ton beau-père ? Alors, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu bon, une autre femme dans sa vie, une maîtresse, à qui il a fait un enfant. Et puis, il n'a pas voulu prendre ses responsabilités. C'est vrai qu'il en avait déjà 6 à la maison et ça peut lui suffire. Mmh. Et donc, il l'a laissé tomber, elle s'est vengée, elle l'a fait envoûter. Et donc, ta mère a fait envoûter non, mon père. Cette maîtresse a fait envoûter mon père. D'accord. Et donc, cet envoûtement est tombé sur ta mère et sur toi. Sur la mère, sur ma famille, sur moi. Moi, j'avais une quinzaine d'années à l'époque. Et bon, il n'y a pas que moi, j'ai ma soeur de Paris qui a dû en prendre aussi. Enfin, toute la famille a certainement été. J'ai une soeur, la plus jeune. Alors, théoriquement, c'est plutôt à lui que tu dois en vouloir. Oui, c'est à lui. C'est lui que j'en veux. Parce que c'est lui qui a été la cause principale du démarrage de ça. Et ma mère, elle a été une victime aussi, elle en a supporté les conséquences. Mais quand elle était à la maison de retraite, des fois, je voulais aller la voir, et ben j'y allais pas, parce que je me disais, mais non, je veux pas la voir, parce que je savais qu'elle nous faisait ce mal, qu'elle nous envoyait plein de mal, mais j'avais pas envie d'aller la voir. Des fois, je me disais, mais t'exagères, c'est quand même ta mère, et ben non, mais c'était plus fort que moi. Bon, maintenant qu'elle est plus là, ça va faire 3 ans, ça fait 3 ans le 4 mars, le 4 février. Maintenant, je me dis que je lui pardonne. Mais je sais que c'était une victime, qu'elle y était pour rien. Et lui, tu l'as pardonné ? Non, j'essaye. Enfin, lui, j'essaye de l'oublier. Parce que. Non, il ne faut pas l'oublier, il faut pardonner. Ça a été quelqu'un tellement néfaste dans ma vie que. Il faut le faire ressortir 2 minutes pour lui pardonner. Tu arrives ou pas ? C'est dur parce que je le vois et comment il s'appelle tout ce qu'il a dit sur moi, tout ce qu'il m'a fait supporter, tout ce que j'ai supporté, tout ce que j'étais malheureuse à cause de lui quand j'étais petite, et ben c'est dur. Comment il s'appelle ? Gaston, il s'appelle. Est-ce que tu peux, le plus possible que tu peux, si tu l'imagines, de dire à haute voix, ben Gaston, je te pardonne ce que tu m'as fait ou pas ? T'arrives ou pas ? Oui, bon, je peux le dire, mais est-ce que c'est assez profond pour lui pardonner ? Ben, justement, dis-le avec le plus de profondeur que tu peux. Gaston, je te pardonne. Mais c'est dur. C'est dur parce qu'il nous a tous détruits. Mmh. Tous détruits. Moi, je m'en suis trop vue quand j'étais petite. Mmh. Parce que là, il faut que tu relâches toute cette animosité que tu as reçue en tant qu'enfant, tu vois, et que tu gardes en toi, et tout ça, ça fait des mauvaises choses dans ta personnalité et dans ton corps. Oui, il faut que ça sorte, tout ça. Il faut que ça, quand ça, et ça, le déclencheur de ça, c'est pas quelqu'un qui va chasser un démon, c'est toi qui prends la décision de dire, je ressasse plus ça, je relâche. Je relâche le pardon. Tu vois ce que je veux dire ? Je pardonne. C'est pas facile, mais c'est Dieu. Il te demande une décision. Puis que Dieu ensuite, il va t'aider à faire le reste. Mais si toi, tu dis non, jamais je pardonne. Non, je ne veux pas. Bah, même Dieu, là, il respecte ta décision. Donc, je sais qu'on peut se dire, ouais, mais c'est trop facile, quoi, à ce moment-là, il m'a fait tellement de mal, et puis moi, je lui fais du bien en le pardonnant. Mais comme je te dis, Dieu est un Dieu de justice. D'accord ? Laisse-lui régler. La Bible, tu verras dans les Proverbes, il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Laisse Dieu s'occuper des autres, de la vengeance, elle appartient entre les mains de Dieu, et toi, ne continue pas à être une victime. Oui, je sais qu'il faut pardonner. Il y a quelqu'un d'autre que tu voudrais demander pardon maintenant ?
S'il y a des gens dans ta tête. Mes parents. Alors, adresse-toi comme s'ils étaient. Mon père et ma mère. Voilà, adresse-toi. Je ne sais pas, tu leur disais quoi, papa, maman, je ne sais pas quoi. Dis comme s'ils étaient en face de toi dans la pièce. Parle-leur maintenant aux personnes à qui tu veux parler. Bah, c'est l'homme qui m'a donné son nom et qui m'a élevée. Bon, j'ai pas été entourée de beaucoup d'affection, ça c'est sûr. J'ai beaucoup souffert de différences. Hein. Il y en avait plein qui avaient plein de cadeaux et moi j'avais rien. Ça c'est, j'en ai des souvenirs très cuisants de tout ça. Voilà, c'est l'homme qui m'a élevée malgré tout. Bon, il est mort, j'avais 24 ans. Et ma mère, elle a fait beaucoup pour moi, surtout quand j'ai eu mon fils, puisque j'étais toute seule à cette époque-là. Et elle m'a, quelque part, je sais que j'ai passé des années très difficiles, et qu'elle m'a, elle a toujours été à mes côtés, mais je sais que, elle avait ça sur elle, que sans vouloir, elle nous a distribué beaucoup de négatifs qui nous a entravé notre vie. Et je sais qu'on n'aurait certainement pas eu la vie qu'on a eue s'il n'y avait pas eu tout ça sur nous, sur la famille. Sur la famille, parce que bon, toute la famille en a pris son compte. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Que certains moins que d'autres, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux demander pardon, ou dire que je te pardonne, ou je t'en veux plus? Hormis mes parents, non, parce que je vois pas, il y a Marie-Thérèse qui m'a fait ce mal il y a 10 ans en arrière, bien sûr. Elle qui s'est acharnée sur alors, moi. Alors dis comme s'il était en face de toi, parle-lui comme s'il était en face de toi pour lui relâcher le pardon. Marie-Thérèse, mais pourquoi tu as fait ça sur moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter un tel sort? Moi qui t'ai reçu, qui t'ai invité, qui t'ai donné, qui t'ai fait cadeau d'un beau chat, qui a toujours été bien avec toi. Pourquoi m'avoir puni de cette façon-là? Parce que je ne le méritais pas. Qu'est-ce que j'avais fait? Rien. Ça a été engendré par de la jalousie. C'est tout. C'est tout. J'ai rien fait, moi. Au contraire, j'ai toujours été très gentille avec elle. Et en contrepartie de ça, j'ai eu le droit à des coups de bâton. Est-ce que tu arrives à lui pardonner ou pas? Ouais, mais c'est du mal, que c'est tout du mal, c'est encore une couche de mal que tu te mets dessus. Ouais. Ah, c'est dur de pardonner ça, c'est dur de pardonner d'avoir payé des choses terribles pendant 10 ans de ma vie, alors que je le mérite. Tu connais la prière du pardon sur mon site? Ou pas? Oui. Tu l'as fait plusieurs fois ou pas? Ah, je l'ai bien faite, mais je ne l'ai pas sous mes yeux là. Alors... Non, d'accord, mais est-ce que tu te rappelles du principe que, en fait, ça dit. Que, par exemple, pour une personne, s'il s'appelle Jean, de dire bon ben, je n'arrive pas à pardonner Jean, je dis à Dieu, Seigneur, je décide de pardonner à Jean, mais j'y arrive pas parce que c'est trop dur. Mais j'aimerais donc aide-moi Dieu, je te donne l'autorisation de m'aider à pouvoir complètement lui pardonner parce que moi je te donne le feu vert, je prends la décision maintenant d'arrêter de lui en vouloir ou d'arrêter de ne pas vouloir le pardonner. Alors, est-ce que tu peux faire cette prière par rapport à Marie-Thérèse? Oui, je peux demander à Dieu. Alors, fais cette prière maintenant. Oui, Seigneur, je voudrais que tu m'aides à pardonner à Marie-Thérèse. Le faire toute seule, c'est très difficile, trop difficile. Mais je sais qu'avec ton aide, Seigneur, je vais y arriver. Il faut que tu m'aides à lui pardonner pour que je puisse libérer encore mon corps de ça, de cette chose... terrible. Il faut que tu m'aides à faire ça, comme il faut que tu m'aides à faire grandir ma foi. Mais il faut que tu m'aides. Sans ton aide, je n'y arriverai peut-être pas. Donc il faut que tu m'aides, Seigneur, à pardonner à Marie-Thérèse, à cette femme, parce que il le faut, mais c'est très très dur pour moi. C'est très très dur. Ok, on va prier. Alors maintenant, je vais commencer à prier. Hein. T'en trouves juste la bouche et puis tu pries pas et tu me dis s'il y a quelque chose, d'accord? T'es prête? T'en trouves juste un peu la bouche comme ça, voilà. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remettre Colette entre tes mains, tu la bénis. Seigneur, tu connais toutes choses, tu la connais depuis sa conception, tu la connais depuis sa naissance,
Tu sais toutes choses qui se passaient dans sa vie, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu agis puissamment maintenant. Tu vois qu'elle vient te demander de l'aide, qu'elle est venue à toi, Jésus-Christ, qu'elle t'a confessé comme son Sauveur et Seigneur, qu'elle te confesse comme Fils de Dieu, qu'elle a confessé ses péchés. Seigneur, tu es venu pour la guérir, la délivrer, la sauver complètement dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Tu vois, Seigneur, qu'elle vient à toi. Tu connais tous les liens qu'il y a, les liens d'âme, les liens spirituels, les liens dans son corps, qui viennent de démons et qui viennent aussi du non-pardon qu'elle puisse avoir. Seigneur, c'est toi qui la guéris complètement. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés, que ton esprit agisse en elle, Seigneur, et maintienne, Seigneur, et la fasse avancer dans cette guérison, dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit mauvais qui a été mis sur sa vie par des tierces personnes, au nom de Jésus-Christ, tout sort qui a été jeté, au nom de Jésus, je lis tous ces esprits, je coupe tous les liens qu'il y a avec ces puissances démoniaques, dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est venu aussi par ses propres pensées, par du non-pardon, par des pensées négatives, dans le nom de Jésus, vous n'avez plus aucun droit sur sa vie, vous devez sortir au nom de Jésus. Tout esprit qui était envoyé dans sa vie pour la maudire, pour la limiter, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est venu par le non-pardon, par la rancœur, par la vengeance, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de vengeance, tout esprit de non-pardon, je chasse tout esprit, au nom de Jésus-Christ, de victimation aussi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Vous n'avez rien à faire en elle, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est venu par des paroles, par du souffle, par des mots qui ont été dits dans le nom de Jésus-Christ, par du ressenti, par des émotions fortes, au nom de Jésus, vous devez sortir de là où vous êtes, tout lien, tout, où vous êtes, tout point de contact que vous avez dans son corps, dans son âme ou dans son esprit. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus-Christ sur ces points de contact. Vous ne pouvez plus rester tout là où vous êtes, dans les ténèbres. Je mets l'Esprit de Dieu et sa lumière et le feu du Saint-Esprit qui consume ces points de contact. Vous devez sortir maintenant, vous devez sortir. Sortez de son corps au nom de Jésus-Christ. Sortez de là où vous êtes, vous n'avez plus le droit d'être là dans le nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant de là où vous êtes, vous devez sortir au nom de Jésus. Tout point de contact droit que vous avez dans son corps, je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit venu par de la boisson, de la nourriture, vous devez sortir maintenant de l'estomac au nom de Jésus-Christ. Tout esprit dans le système respiratoire, vous devez sortir dans le nom de Jésus, sortez du système nerveux au nom de Jésus-Christ, vous n'avez rien à faire, vous sortez du système musculaire au nom de Jésus-Christ, sortez du système sexuel au nom de Jésus-Christ, sortez de la personnalité au nom de Jésus, sortez maintenant, vous n'avez plus rien à faire, dans le nom de Jésus-Christ, elle ne vous appartient plus, elle a été rachetée par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau sur la croix de Golgotha, et vous n'avez plus de droit, esprit de doute. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ, esprit d'incrédulité, je vous chasse au nom de Jésus-Christ, esprit de moquerie, je vous chasse au nom de Jésus-Christ, vous n'avez rien à faire ici, sortez de là où vous êtes au nom de Jésus. Vous devez sortir au nom de Jésus, sortez de l'estomac dans le nom de Jésus, sortez des poumons au nom de Jésus, vous n'avez rien à faire, vous devez sortir, vous devez remonter, vous sortez au nom de Jésus-Christ, sortez dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous devez sortir. Sortez complètement dans le nom de Jésus. Vous devez obéir et vous soumettre au nom de Jésus. Continuez de partir au nom de Jésus. Il faut prier pour que Dieu me donne la force de caractère, l'énergie nécessaire pour que je sois capable de gérer. Non. Il faut que la force de caractère, c'est toi qui dois la développer. C'est pas Dieu qui va venir te dire, tiens, je te donne un cadeau, c'est quoi? C'est la force de caractère. La force de la caractère, il faut que tu la développes toi-même. Il faut que tu prennes des décisions. Tu peux pas être comme, t'es comme une petite fille et puis Dieu c'est comme ton père et puis tu dis de toute façon moi je fais rien, c'est lui qui doit m'emmener à table, c'est lui qui doit me donner à manger, c'est lui qui doit m'habiller, moi j'ai rien à faire parce que je suis une petite fille et une petite fille ne prend pas de décision. Tu vois, maintenant t'es grande et il faut que t'arrives à agir comme une adulte. Je suis grande mais intérieurement je suis fragile. Bah oui, t'es une enfant, donc oui, il faut que tu développes, que tu deviennes une adulte. Ouais. Et c'est quoi une caractéristique des adultes? C'est de pouvoir prendre des décisions. Ouais, je suis fragile. Un enfant ne peut pas prendre de décisions, et même si,
même s'il peut, il y a des gens qui sont responsables d'eux, qui disent t'es trop petite pour prendre une décision pareille. Maintenant, toi, tu dois apprendre à prendre des décisions. Tu comprends, je veux dire. Donc, ce n'est pas une question de Dieu, donne-moi la... Non, non. Il y a des choses que Dieu va faire et qu'il veut faire. Mais tous les jours, je prie, tous les jours, je prie Dieu en lui disant qu'il fasse grandir ma foi et qu'il me donne les solutions, enfin, qu'il m'apporte les solutions. Les solutions sont en quoi? Moi, les solutions, je te les donne, tu ne les entends pas. Donc, tu dis ça, ça ne me plaît pas, donc je vais demander à Dieu, ça tombe bien, parce que comme Dieu ne me répond pas, je suis sûr de ne pas entendre une mauvaise nouvelle. Mais ta conscience, tu sais déjà ce que tu devrais faire. Donc, Annick me dit, mais Dieu, il sait ce qui est bien pour toi. Donc, il sait ce qu'il te faut. Oui, tu le sais, moi aussi. Tout le monde sait, mais toi, tu vas prendre la décision. Bon. Okay. On prie. Okay. Seigneur, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ, notre maître, que l'être entre tes mains, dans le nom de Jésus, tu l'as béni, Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, tu l'as rétabli complètement, Seigneur, tu es venu pour la guérir dans son corps, dans son esprit, mais aussi dans son âme, Seigneur, que tu puisses l'aider à lui faire réaliser, Seigneur, que son pouvoir de décision, Seigneur, son pouvoir de caractère qu'elle a en elle, qu'elle peut développer, Seigneur, que sa vie dépend d'elle, de ses décisions, Seigneur, qu'elle prenne ses responsabilités, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu l'aides, Seigneur, dans cela, tu lui montres, Seigneur, la part qu'elle a à prendre, les choses qu'elle attend de toi, qui ne doivent pas venir de toi, mais la part qu'elle a en elle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prends aussi autorité sur tout esprit mauvais, sur tout démon qui a été envoyé sur elle, sur tout sort qui a été fait par rapport à elle, Seigneur, pour la limiter, pour la ralentir dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est venu depuis avant sa conception, depuis avant sa naissance, depuis sa naissance dans le nom de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ sur tout esprit, sur tout lien qu'il y a. Je coupe ces liens dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ces liens spirituels dans le nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun droit. Vous devez sortir d'elle. Vous devez sortir de son corps, de son âme et de son esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous sortez maintenant tout point de contact spirituel d'esprit. Là où vous êtes dans son corps, vous devez la quitter. Au nom de Jésus, peu importe la manière dont vous êtes venu, que vous avez été renvoyé, vous devez maintenant sortir dans le nom de Jésus. Vous sortez d'où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je vous chasse maintenant. Vous devez sortir de son système. Sortez de son système de corps. Sortez de son système de son esprit. Sortez de son système de son âme. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous chasse de ses émotions. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ de ses pensées. Vous devez partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous devez cesser de résister et partir dans le nom de Jésus. Koda Rabayana. Vous devez lâcher prise au nom de Jésus. Sortez de là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, vous devez sortir esprit de manipulation. Lâchez-la, libérez-la dans le nom de Jésus, esprit de mensonge. Vous devez la quitter maintenant, vous devez la libérer. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui veut la manipuler, qui a manipulé sa personnalité, ses pensées. Au nom de Jésus, vous devez sortir. Au nom de Jésus, vous n'avez aucun droit. Sortez de là où vous vous trouvez, sortez dans le nom de Jésus. Vous devez sortir, vous ne pouvez pas rester dans le nom de Jésus-Christ. Je vous chasse au nom de Jésus de tout point de contact là où vous êtes. Vous devez lâcher prise dans le nom de Jésus. Sortez du corps maintenant, sortez de l'âme, sortez de l'esprit. Lâchez prise au nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Vous devez partir, vous n'avez aucun droit. Dans le nom de Jésus, sortez au nom de Jésus. Libérez-la maintenant. Cessez de résister, vous devez sortir maintenant. Vous devez sortir tout esprit dans l'estomac. Sortez. Sortez de l'estomac, sortez au nom de Jésus, sortez de l'estomac au nom de Jésus, sortez de là, tout esprit venu par la nourriture de la boisson, sortez, esprit venu par le souffle, sortez au nom de Jésus, esprit venu par la fumée, vous devez partir, esprit venu par des marabouts, sortez, sortez de l'estomac, complètement, tout dépôt, sortez, sortez, complètement, ne restez pas là dans le nom de Jésus, sortez de la gorge, sortez du thorax, sortez de l'estomac. Au nom de Jésus, sortez du système digestif. Koda rababaye de delianda, rababaye de delianda. Koda rababayanda, sortez au nom de Jésus. Sortez, continuez de sortir. Continuez de sortir au nom de Jésus. Koda bayada, rabayana, rabayada, radaye de deliada, rabayada, rabayanda, rabaye. Sortez, continuez de sortir au nom de Jésus.
Sortez du système, sortez de son corps, libérez-la complètement. Continuez de sortir. Vous devez sortir jusqu'au bout, jusqu'à la racine. Sortez. Sortez dans le nom de Jésus. Sortez complètement. Sortez, libérez-la complètement. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Sortez par la bouche. Sortez par la bouche au nom de Jésus. Libérez. Libérez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sortez, libérez. Libérez au nom de Jésus. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Mana raba yada raba yede deliada. Abriada raba yada rana yodo yo. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez. Au nom de Jésus. Koda raba yede li sanda. Sortez complètement. Sortez complètement. Sortez au nom de Jésus. Koda raba yada rama yada rana yede. Au nom de Jésus, là où vous êtes, vous devez sortir, esprit de serpent, sortez de la colonne vertébrale au nom de Jésus-Christ. Sortez de la colonne vertébrale au nom de Jésus. Vous devez la libérer au nom de Jésus, sortez complètement. Lâchez prise, esprit de serpent, vous devez sortir. Sors du corps, sors au nom de Jésus, sors du dos. Sors de la colonne vertébrale au nom de Jésus. Esprit d'ésotérisme, sors au nom de Jésus. Esprit d'hindouisme. Sors, 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 esprit de bouddhisme, dans le nom de Jésus, Koda Rabba Yanga Kalada Yede Devianda, sors de Jésus.